Bonjour, donc je suis Marie-Christine Maffetone. Je suis agent d'assurance GAN depuis 2013. J'ai toujours travaillé sur Briançon. J'étais à l'origine collaboratrice dans mon agence. Et voilà, donc j'ai repris, je suis partie en tant qu'entrepreneur depuis 2013. Parlez-nous de votre vision du développement économique, cette ambition qu'il faut avoir, cette urgence de cette ambition, à ne pas rater la marche. La pierre, c'est un fait, on a le cadre, mais il faut qu'il y ait de la vie à l'intérieur, de l'humain et des œuvres qui se découvrent, quoi. Oui, on ne peut pas viser simplement sur du tourisme, justement, hiver, à savoir, oui, comme vous disiez, le réchauffement climatique risque d'apporter des problématiques à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut s'orienter sur un tourisme autre que ce tourisme-là, donc un tourisme d'art, un tourisme de découverte, d'artisanat, et qui aurait une retombée forcément autre, à savoir, le tourisme, bien évidemment, engendre des ouvertures d'hôtels, des ouvertures de restauration, et donc pour moi, bien évidemment, des clients très potentiels. L'ambition économique pour Briançon, certes, on sait que c'est un site très touristique. Les assurés, j'ai pas mal d'assurés professionnels, bien évidemment. Et justement, la manne économique étant le tourisme, il faut absolument qu'on appuie sur ce point-là. Ce qu'on recherche avant tout, c'est qu'il y ait justement une continuité tout au long de l'année, pas simplement du tourisme d'hiver. Bien évidemment, on a une région qui s'y prête avec tout ce qui est sportif. Mais je pense que l'art est une solution aussi à apporter pour un tourisme autre que le tourisme sportif. Parlez-nous de votre soutien pour le projet. Ben écoutez, pour ce soutien, moi, dès le début, j'étais partante. J'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée, soutenue justement par quelqu'un qui est à fond dans ce projet. Et je trouve que c'est une vision complètement différente. Comme on l'aborde, c'est une autre approche, une découverte tous les jours. Les œuvres changent aussi, l'artiste fait quelque chose un jour et le lendemain c'est autre chose qui nous prépare, donc c'est une découverte perpétuelle. Il faut absolument attirer justement les prochains professionnels qui vont s'installer sur Briançon par le fait que justement ce soit une cité touristique où ça nous draine pas mal de passages. Et du fait qu'il y ait un potentiel économique important. Les gens vont découvrir Briançon d'une autre manière également, donc il y aura un fil conducteur avec tout cet artisanat, ces découvertes d'anciens métiers, et puis surtout aussi des œuvres qui seront certainement mises en vente et rapporter de notre ville quelque chose, un souvenir également de l'art, vraiment de l'art pour l'art, et quelque chose qui est fait sur le terroir, ce sera unique et vraiment un souvenir propre à la ville. J'étais lycéenne, collégienne et lycéenne sur Briançon, et c'est vrai que dès qu'on avait une petite sortie ou quoi que ce soit, c'était sur la cité Vauban. Donc tout le monde se réunissait, c'était rempli de vie, plein de boutiques, tous les jeunes se rencontraient à cet endroit, et c'était vraiment un endroit qu'on appréciait beaucoup, quoi. Avec beaucoup de vie en tout cas. Ça a beaucoup changé. On n'aperçoit pas trop les jeunes comme ils étaient à l'origine. Bon, certes, le monde a changé aussi, mais c'est de plus en plus délaissé. Et on voit ces boutiques qui ferment petit à petit et il faut y remédier. Il faut y remédier. C'est une tristesse, c'est gravissime, surtout une cité telle que l'on a, historique, avec tout ce que ça draine, ça devient une ville morte, c'est pas possible. Et ça, il faut vraiment y remédier. Et les mentalités, elles ont changé. Je pense que les gens, quand ils viennent vraiment visiter une région et ils veulent voir un peu ce qui s'y passe, ils veulent emporter avec eux un souvenir de cette région, mais pas forcément du made in China, justement. C'est quelque chose qui est attaché du terroir et qui vient de là. On tient à l'original, à quelque chose qui vient vraiment d'un artiste, de sa création. Voilà. Et ils auront un objet vraiment unique.
qui êtes à Sainte-Catherine, avec votre agence, vous pensez que voilà, c'est important qu'on soit tous derrière, ensemble, ce projet ? Bien évidemment, il ne faut pas céder une ville parce que nous avons une cité historique qui se situe sur la cité Vauban et parce que je suis en bas, dans le bas de la ville. On doit tous vraiment s'unir pour ce projet parce que la retombée, elle est sur la ville entière et pas seulement sur une partie de la ville. Oui, dans ce projet, il faut vraiment que l'on soit vraiment unis, tous ensemble. Et pour moi, il y a une urgence. Il faut que ce projet se révèle rapidement, car c'est maintenant que ça se joue. Alors, ça fait 3 ans déjà que le projet a été lancé. Et donc je le soutiens toujours, bien évidemment, mais maintenant, on n'est plus dans la réflexion, il faut vraiment qu'on passe à l'action. Toute dernière chose est très importante à vous dire, si la cité Vauban meurt, nous mourrons avec.